Bonjour les gens, on se retrouve pour la suite de Dark Souls 3. Donc, amis de la mauvaise foi, en avant. Oui, je sais, je suis de mauvaise foi. Donc, allez, on retourne dans cette zone, en espérant trouver le bonfire cette fois-ci. Parce que sincèrement, à peine fini déjà, je me fais agresser. Il est où? Hein? Ah, le pire, je sais même pas si j'ai un anneau contre les malédictions en plus. Est-ce qu'il y en a un? Ah si. Voilà. On va mettre l'anneau de résistance face aux malédictions. Parce que j'ai vraiment pas envie de me faire maudire dès le début du jeu, quoi. Oh la vache, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai l'impression que j'ai essayé de faire un backstab, mais que ça a pas marché et qu'il a tapé à la place. Bon, bref, c'était un peu le bordel. Par contre, ça met un peu de temps à diminuer là. Allez, oh. Quoique, ils avaient une. Leur armure, elle est. Elle a l'air assez classe, j'aimerais bien la voir. Faudra peut-être que j'aille la farmer. Allez. Allez, hop. Waouh, on va pas dire que j'étais pas en backstab là, mais presque. Et là, je... Des fois, on se pose des questions sur comment ils font leur backstab, les gars. Ah oui, en fait, on les voit là, regardez. Il est là, lui. Ok. Bon, ici, il y en a un aussi, j'ai pas vu qu'il me tombe dessus. Bon, et vu que j'ai ma bague, je peux résister un peu plus. Allez, viens ici. Hop là, au revoir. Voilà, encore un de moins. On va essayer de pas se prendre trop de coups dans la tronche. Parce qu'on a vu qu'il y avait un peu de monde. Alors ici. Il va y avoir du monde. Il y en avait un troisième, non? Ils étaient que deux? Ça a l'air. Ah non. Ils sont bien trois. Il était tombé par terre. Oh punaise. Ah c'est vraiment chiant cette attaque. C'est vraiment des dégâts en continu en plus. Allez hop, moi. Au revoir. Je me casse. Ouais, super. J'ai quand même les gros chevaliers qui sont là. Oh.
Ça, c'est un peu la loose. J'aurais aimé qu'ils ne viennent pas, mais bon. En plus, ils sont deux. Coucou, me voyez pas. Je suis caché. Ouais, on voit rien du tout ici. Merci, caméra de merde. Bon, il m'a vu, hein. Voilà. Allez. Allez, c'est l'heure de dire bonne nuit. Oh non mais... Voilà. Il se ramène, donc on va se barrer un peu. Comme je l'ai dit, mon but ici c'est d'économiser mes astuces. En plus, je sais pas vraiment comment il fonctionne dans ce jeu pour... Non, non, non. Non! Oh, mais ça, c'est deg. En plus, j'ai perdu mes 140 000 âmes de la dernière fois. Sniff. Ah, je déteste ces endroits où ils nous foutent 50 millions de gars. Ça devient juste énervant. Ouais, ça, ça m'aide pas, quoi. De la bouse. Ah, franchement, c'est super classe, quoi. Allez, viens là, parce que j'ai pas envie que l'autre vienne. Voilà, au moins ici. C'est bon. En plus, je dois me refaire encore ce chevalier. J'ai l'impression de faire du surplace, là. Allez, viens, toi. Fais flamme-flamme avec ton épée, là. Voilà. Est-ce que je... Ouais, merci. Hein, avec ces attaques d'une envergure de 360 degrés. Une fois dans le cul. Allez, flamme, flamme, flamme.
Voilà. Flamme, flamme, ça chauffe. Ben moi, ça fait. Alors, t'en as un là qui va me sauter dessus. Coucou. Voilà. À croire que quand ils commencent à se mettre à faire une prière comme ça, on peut les retourner. Bon, par contre, les textures sont un peu horribles. Donc, maintenant, on va se diriger vite fait vers la sortie. Enfin, du moins, sans se faire trucider, sans se faire et sans se faire chauffer le derrière, parce que ça fait mal. Ah, parce que il fait chaud. On va plutôt se placer par ici. Voilà. Donc là, ils sont deux. Le problème, c'est que j'ai pas envie d'avoir les deux en même temps. Bon. Oh là là. Oh non! J'étais sur lui là! Bon allez hop! Au revoir! On les entend, hein, hache. Tout, j'ai eu chaud là. J'ai failli rester. Heureusement que j'ai mis la bague. Hein. Ah, super. Oui, bah oui. Encore une armure qui résiste
plutôt bien au coup. Oh, ça va encore. Wow. Et c'est bon, on se calme un peu. Pouf. Et je récupère en plus une flasque d'excuses. Que demander le peuple? Bon, ça va. Ah bah non, s'il m'attaque 50 fois aussi. Ah, il me disait bien, j'en avais entendu un. Encore de la bouse. Ouais, donc comme vous voyez, il y en a plein. Ah ouais, ils sont 150 là. What? Je suis dessus. Allez hop, on s'en fout, on dégage. Allez hop, on essaie de se trouver un passage. Non, c'était pas là le bon chemin. Et voilà. Un bonfire. Oh punaise, j'ai eu du bol. J'ai trouvé le bonfire. Ok, donc là aussi, c'est pas le bon côté pour passer. Mais j'ai trouvé le bonfire. Maintenant, je suis content. Ah. Maintenant j'ai trouvé le bonfire, je suis content. Plus besoin de refaire ce passage absolument horrible. Tête de prédicateur blanc. Ah. Ça va, il m'a pas suivi. Toi, tu m'attaques pas. Vache, j'ai serré. La vache, il est violent celui-là. Et il y a absolument rien d'autre ici. Ok. Ok, oh je dé... On a un bon paquet en plus, ils m'ont l'air... What? Oh la vache. Ok, je déteste ces ennemis déjà. Que je regarde ce que c'est que cet objet là. Alors c'est quoi cette tête? Donc c'est déjà pas un objet là. On m'a parlé. Oh, ça doit être l'autre là-bas. Alors c'est quoi?
Alors ça a rien à voir avec ça. Ça a pas l'air d'être une arme. Pourtant ça avait l'air d'être inconsommable, donc. Ouais, ça avait l'air d'un temps consommable, mais je vois. Alors là. C'est pas un objet clé, parce que sinon il apparaîtrait ici. Alors là, c'est réellement étrange tout ça. C'est quoi cet objet que j'ai ramassé mais qui semble correspondre à rien? Ah non, c'est bien une tête, oui. Tête de prédicateur blanc. N'êtes-vous pas revenu d'Abysse, ces hommes et les locustes? En fait, ah, peut-être que si je mets ça, peut-être qu'il m'attaque pas en fait. Voyons voir. Est-ce qu'ils vont m'attaquer si je mets maintenant cette tête? Ben, on va voir. Ah, ils essaient de m'attaquer, on dirait. Oh là là, je n'aime pas ça. Est-ce que tu m'attaques maintenant? Est-ce que tu m'attaques? Ouais. Ok. Ok, non, c'est. Alors peut-être qu'il faut plus d'objets. Oh non, 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 pitié, n'invoque pas encore 50 millions de gars. Ouais, non, s'il te plaît. Épée de chevalier. Oh non, mais. Oui, ben. Moi, pour l'instant, n'aie pas peur du noir. Pour l'instant, je me fais massacrer de partout. Et j'ai trouvé une épée. Alors, voyons voir c'était quoi cette épée. C'était pas la rapière d'Irithryll. Non. Ah, ça doit être celle-là. Épée de chevalier enclavée. Ouais, enfin, quand je vois les stats qu'il faut. Il me faut de la dext, et j'ai pas de dext. En plus, le feu, c'est des dégâts basés sur la magie. Donc, bref, tout ce que je ne suis pas, quoi. Ça me fait penser que j'ai plus beaucoup d'astuces. Donc, on va. Enfin, je vais m'enlever ce chapeau maintenant parce qu'il est nul. Je pensais qu'il me permettrait. Alors, il est où mon autre chapeau? Il est où mon beau chapeau? Il est là. Je pensais qu'il me permettrait d'éviter de me faire massacrer par les. Par eux, mais non, quoi, en fait. Alors, peut-être qu'il faut une armure complète. Voilà, allez, faites ce que vous voulez ici. C'est. Ouh, je suis monté juste à temps.
Ouais. Ok. Le problème, c'est que j'ai l'impression que dès qu'il y en a un qui arrive, il y a l'autre qui vient avec derrière, quoi. Voilà. Et maintenant, on va voir arriver l'autre avec. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour nous dépêcher d'aller tuer les deux, ce qui est un peu dégueulasse quand même. Franchement, je trouve ça vraiment plus qu'abusé comme, comme pratique. Ouais, ben oui. Mais bordel, pourquoi je peux pas bouger ? Allez hop. On se barre parce que... Encore une fois, on se retrouve dans des conditions qui sont injouables. Ah, tiens. Anneau serpent doré. Serpent doré plus 3. Ah oui, c'est découverte d'objets, je passe à 226 à la place de 111. Ah ouais, quand même. Oh, and here we are again. How goes things? I'm rather running in circles, I'm afraid. I can't find the purging monument. And I've searched high and low. What if it was never here in the first place? Oh, bloody hell. What do I know? Sorry. I know it doesn't concern you. Seeing you all good and well, I just sort of spilled my guts to you. Just forget it all. Like a good hollow wood. Sorry. See, just... Ok. Donc à mon avis, une fois que je saurai, je pourrai revenir et obtenir et lui donner la réponse qu'il cherche. Maintenant... Ici, il n'y a rien. Là, il y a un moyen de descendre, mais pour aller ici, ça ne m'intéresse absolument pas parce qu'il n'y a rien d'intéressant pour l'instant. Mais franchement, c'est un peu de l'abus qu'ils ont fait, quoi. Je veux dire... Vous voulez passer le deuxième, au fait ? Je vois l'autre avec la lance. Ah, je vois bien celui avec la lance, mais il est où celui avec l'épée? Il s'est barré entre temps? Ah, il est peut-être tombé dans le trou. Ça m'arrangerait. Parce que les ennemis ne savent pas grimper les échelles. Bon. Voilà. Alors,
Par contre, il n'y a toujours pas de passage. Il y a peut-être un passage dans le coin. Mais où? Bon, déjà, si, je sais qu'il faudra que je revienne plus tard lorsque je saurai où est la zone purificatrice. Peut-être que c'est là-dedans. On verra bien. Par contre, ce qui m'étonne, c'est de pas voir l'autre chevalier à l'épée. Je pense qu'il a peut-être dû tomber. Ce qui serait une chance. Est-ce que je le vois? Pitié, ne me dites pas qu'il est parti là-haut. Non. Bon. Allez hop. Allez, viens là cette fois-ci. Voilà. Et j'ai gagné son marteau en plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Un éclat de titanite. Avec une belle vue sur ce qui m'attend. Donc, lui, il faut... j'ai l'impression qu'il faut le rusher pour le tuer. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc je suis venu ici juste pour tuer un ennemi. Ah tiens, là je vois qu'il y a quelque chose. Un objet en haut, mais je sais pas comment l'avoir. Oh, de toute façon ici c'est... une exploration très linéaire, donc peu intéressante. Un peu comme l'autre DLC quoi. Au lieu de faire des belles zones bien grandes, bien ouvertes, eh ben non, on nous fout ces zones à la con, j'ai envie de les appeler. Des zones où on fait un couloir et après il faut juste trouver le bon passage pour avoir les objets quoi. Parce que là, pour l'instant, je vois pas vraiment qu'est-ce que j'ai fait à part suivre un couloir. Ouais, là, on voit qu'il y a un objet. Alors, ce que j'ai gardé... non, j'ai pas gardé les jumelles. Elles sont où? Non, c'est pas ça. Ah. Voilà. Donc, ouais, il y a un objet là. Ah, en fait, il y a une échelle là. Donc, à mon avis... ouais, j'ai pas dû aller encore là parce que regardez, il y a un grand ami qui invoque des ennemis pas gentils ici. Et donc, à mon avis, c'est soit on arrive de là-haut, parce que là, il faudra, ou soit on arrivera de par là. Bon, ce qui est sûr, c'est que déjà, c'est un peu le bordel ici. En plus, je peux pas retourner en arrière ici. Dites pas que le seul moyen de descendre ici, c'est de se tuer, quoi. Alors là, ça serait la misère, quoi. Ouais, ben, c'est bien ce qui a l'air. Donc, ici, j'ai vu qu'il y avait un endroit où on pouvait descendre, mais ça fait un peu haut, quoi. Ça fait même très haut, les gars. Moi, je descends pas là. Vous avez beau dire, oui, ben là, il y a un passage. Non, non. Il n'y a
pas de passage par ici. Donc moi, tout ce que je vois, c'est un... Bon, allez, hop, on fait un tour, de toute façon. D'ailleurs, j'ai des âmes en plus que j'ai pas utilisées. Voilà. Alors, je vais retourner à l'Ichefeu. En plus, je vais pouvoir monter de deux niveaux. Voilà. Comme ça, au moins, ça, c'est fait. Alors, combien il me faut pour retirer? Ah oui! 520 000 pour retirer les symboles noirs. Ça fait cher. Donc là, c'est même plus la peine d'essayer. Alors, je fais quoi? Est-ce que j'augmente ma vie de 2? Ah, la mémoire, ça, pour l'instant... Bah, le problème, c'est que si je veux devenir... si je veux pouvoir utiliser la magie, au bout d'un moment, il va falloir quand même que je pense à l'augmenter, quoi. Je vais plutôt augmenter la force, parce que là, pour l'instant, le maximum qu'on peut atteindre... Enfin, le maximum. On continue de progresser tant qu'on n'est pas arrivé à 50. Alors là, je suis à peine à 38. Hein, j'ai encore largement le temps de m'améliorer. Donc, on va investir en force. On a investi en force. Alors, toi, qu'est-ce que tu vends? Est-ce que t'as quelque chose de nouveau? Bon, enfin, j'ai rien fait, donc normalement, ça aurait été étonnant. Ouais, ça aurait été étonnant. Et je crois que j'ai tout acheté à tout le monde ici. Ah non, et je crois qu'il restait encore un sort que j'avais pas acheté. Oui, un sort que j'avais pas encore acheté. Voilà. Voilà, comme ça maintenant tout est acheté. Qu'est-ce que je peux acheter d'autre que j'ai besoin? Alors là j'en ai. Ouais, j'en ai suffisamment. Ça, sincèrement, ça sert pas à grand chose. La bouse, je dois en avoir des tas, oui. Ça, j'en ai quelques-unes, mais franchement. Ah, j'ai peut-être m'acheter cela. C'est vrai que cela, j'en ai pas des masses. Et pourtant, il y en a pas mal qui sont utilisables. Voilà. Et cette fois-ci, on va à la rue de la cité enclavée. Ah ouais, non, c'est... Ouf. En fait, j'ai l'impression que c'est dans ce genre de circonstances qu'on apprend à se barrer en courant, en fait. Ah, c'est... Ouais, ok, ils reviennent tout le temps, quoi. Je veux dire, moi, si, tant que vous m'attaquez pas, j'ai rien contre vous, les mecs. Hein. C'est juste vous qui avez commencé à vous péter un câble, là. Oh la vache, et...
Allez, à ton tour. Par contre, j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment les taguer, ceux-là. Voilà. Bon, après, j'ai plein d'âmes. Hein. C'est des ressources à âme, par contre. Ah, et lui. Oh. Allez, hop, on va essayer de speeder par là. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant, j'en sais rien du tout. Pour l'instant, ce que je sais, c'est que moi, mon but, c'est de pas me faire voir par ce gars-là. Voilà. Parce que là, on a lui qui a l'air pas gentil. On a un chevalier au bout. Les gars, c'est vraiment très fair play, hein, cet endroit. Voilà. Comme ça, t'essaieras pas de me sauter dessus quand j'aurai le dos tourné. Ah, punaise, encore un. Il doit être où? Je sais pas où il est. Ah bah, ils sont deux. Ah, je suis 500 points de dégâts tout pile maintenant. Et maintenant je peux les toucher, j'ai besoin que deux fois pour les tuer, c'est classe. Arc en bouleau blanc. Ok, là j'ai l'impression qu'il y a une grosse pierre. Peut-être utile, je sais rien du tout. Ok, les jeunes branches blanches. Est-ce que vous m'attaquez? Non. Si. Voilà, hop. Au moins, je vous laisse pas. Là, je vois qu'il y a des chevaliers et à mon avis, quand je vais m'approcher, ils vont se lever. J'aime pas ça. Coutelas du gardien d'église. C'est énorme, ça? Coutelas du gardien d'église. Ça a pas l'air. Ah, peut-être un objet, oui. Lame illusoire qui poursuivent les ennemis. Posséder 1, entreposer 1. Est-ce que ça serait limité? On va tester, hein. Ah ouais. Oh, sympa quand même. En plus, ils disent que ça poursuit l'ennemi. On va voir. Ah ok, ça utilise des PC. Ok. Oula, j'ai pas envie de voir ce que donnait justement cette chope.
mais à mon avis, rien de bon. Alors ici. Est-ce qu'il y en a un qui se réveille? Non. Et j'aime vraiment pas ça. Non. Oh oh. Oh non. Oh l'abus. Dis pas qu'il est encore là. Ok, on a le retour de notre ami. Ah ben... Alors, caméra de merde. Parce que j'ai voulu justement m'éloigner de lui, mais à cause que la caméra a tourné en même temps pour le suivre, ben j'ai fait, au lieu de faire une roulade arrière, j'ai fait une roulade vers là où il attaquait. Merci Dark Souls, merci. Ah oui, c'est vrai, il y en avait un là. En plus, donc je vais plutôt prendre mon bouclier de résistance contre l'électricité. Il est où? Le voilà. Parce que bon... Allez, viens. Allez, on va tracer ici. Moins dangereux. Bien. Enfin réussi. Bon, allez, on se réinstalle bien. Et on est reparti, on va aller se tuer. Ben, ce qui était avant un boss et maintenant est devenu un ennemi standard, ce qui me dégoûte un peu, comme d'hab, quoi. Voilà. Voilà.
Voilà. Bon, bah, on est reparti, hein. On va aller affronter notre cher... Alors, je sais plus comment il s'appelle, hein, mais il était assez violent. Ouais. Oh, la vache, il est... T'es un peu vénère, là, je dirais. Oh la vache, et en plus je te fais que dalle cette fois-ci. Ah ouais, j'ai vraiment l'impression de te faire que dalle en point de dégâts. J'espère que t'es un ennemi unique, hein, encore une fois. Ouais. Non mais... Allez hop, tiens. Ah mince, j'ai sauté trop tôt. Ouh, j'ai bien fait de me bouclier là. Allez, on est reparti. Wow, allez, les deux coups là, c'est violent. What? Heureusement que j'avais presque toute ma vie. Oh là là. Ouh là là là. Allez mon petit. Allez. Crève. Ah ben voilà, casque du tueur de dragon de fer. Ouh, est-ce qu'elle est lourde cette armure? Est-ce qu'elle est lourde? Casque de tueur de dragon de fer. Oh non, elle est plus légère. Mais elle a un meilleur équilibre. Est-ce que c'est beaucoup? 6-7, 6-1. Mais je résiste mieux à la foudre. Ouais, pas de grand chose non plus. Ouais, allez, on va la mettre, elle était cool. Alors. Ouh là, j'ai un chat dans la gorge. Alors, armure du dragon de fer. Elle est où? Voilà. Armure du tueur de dragon de fer. Ah ouais, elle a trop la classe cette armure. Et on va mettre ben, mon bouclier standard, hein, qui est un peu mieux. Voilà. Et je suis pas trop lourd, ça va. Écailles de titanie. Ouais, enfin, tout ça pour des écailles de titanie, quoi. Franchement, quoi. Et à mon avis, maintenant que j'ai tué, la prochaine fois que je reviens, tous ces gars-là seront vivants. Je parie ça, quoi. Bon, de toute façon, je m'en fous, je repasserai plus par là. Enfin, ça, je dis ça jusqu'au moment où je serai obligé d'y passer, quoi. Hein, on connaît tous, hein, le jamais, jamais, et en fait, compte, ben, je suis obligé de repasser par là.
Alors ici. Ouais? Non? Pas du tout. Pas envie. En plus, ça m'a l'air d'être là juste pour faire beau. Et absolument rien d'autre. Non mais c'est de l'abus là. 2. 3. Mais vous les collectionnez ces chevaliers ou quoi là? Pitié. Ouais bah non, hein, c'était trop demandé de ne pas avoir à se le refarcir encore une fois. Parce que là... cochonnerie. Oh là, mais c'est quoi ce bouclier là? En plus, il a une, il a l'air d'avoir une stamina infinie, comme tous les ennemis de Dark Souls de toute façon. Voilà. Non mais les gars, c'est pas ça, j'ai... Oui, pourtant, je l'ai mis, hein. C'est... Ah, voile de sorcière noire. Ah, c'est peut-être pour remplacer le chapeau, si on n'aime pas le chapeau. Oh là là, non mais... Quand je vois tous les objets que je peux aller chercher là, mais je me dis... Mais il est encore long, ce niveau, ou quoi? C'est... Alors oui, les zones sont grandes, mais... Oh punaise, ils sont... What? Mais ils sont combien? Trois. Ouais. Bon, bah on va les affronter un par un, si je peux. Voilà, allez, toi. L'épée, ça va, c'est un peu plus facile. Un bouclier. Enfin, je dis ça, je vais encore me faire massacrer la tronche. Les petits boucliers sont un peu plus faciles à passer. Tiens, j'ai une meilleure linge que toi, nananer. T'es mort, nananer. Ah, enfin, j'ai les jambières du chevalier. Donc j'ai le torse, j'ai les jambes, il manque le casque et les gants. Alors, ici. Qu'est-ce que j'ai? En plus, j'ai encore un chevalier. Ah bah ça va, c'est la lance qui a été attirée. Allez, une, deux, en avant. Bon allez, tu te grouilles un peu là. Oh, et on va pas y passer la journée. Ouais, ouais, ouais. Dragon, pas content. C'est pas comme si j'étais en backstab, les mecs. Hein. Ah, mais des fois, les backstab, j'ai vraiment du mal à comprendre comment elles fonctionnent. Oui, bah tiens. Ça, par contre, c'est... Et un coin. Du coup... Oh non, j'étais dessus, là. Oh la vache, mais...
En plus, lui, il lève beaucoup son bouclier, mais... On pourrait imaginer qu'il faut une sacrée... Non, mais... Comment il a pu me toucher, là? Ah bah oui, là, soudainement, comme vous avez vu... Allez, faudra qu'on m'explique. Voilà. Ouais, bah celui-là, je l'avais déjà. Oh, j'ai gagné une braise. C'est pas le torse que je veux, c'est les gants et le casque. Allez, plus que le dernier. Et on va pouvoir un peu visiter cet endroit. Mais bon, on se retrouve encore. Comme d'hab, c'est toujours du... Oh la vache, j'ai rien vu là. Pas mal le coup du... Je te fous un coup dans le... Oh non, vous allez pas me dire que je l'ai loupé là. Non. Mais... Oh, je déteste ça quand... On a des grosses armures avec des super... J'ai l'impression qu'en fait les armures ça sert à rien quoi, parce que chaque fois qu'on se fait frapper de toute façon, les ennemis sont tellement bourrins qu'on se fait stag. Bon. Allez, on va s'arrêter ici. On retourne à l'Ichefeux. Et franchement là... Autant j'avais changé d'avis après le premier boss du DLC, parce que je trouvais que finalement la zone n'était pas si mal, il fallait jouer tactique. Là, sincèrement, c'est même plus du... là c'est plus du tactique, c'est du gros bilisme. Et ça reste du gros bilisme. Alors je dis pas, hein, les armures sont super classes, je veux dire, là, il n'y a pas à dire, mais elle est méga classe cette armure. M'en plus que le gros bouclier, mais bon, je pense pas que je peux le porter actuellement, parce que j'ai pas encore assez de ma... J'ai pas encore assez. Mais... Je veux dire, c'est réellement abusé, quoi. Les attaques sont abusées, le fait que quand j'attaque les ennemis, quand ils nous attaquent, on est toujours stagué, on est toujours légèrement titubant. Et eux, quand on les tape, ben ça dépend. Des fois oui, des fois non. Donc bon, allez, on va arrêter de se plaindre, parce que j'aime beaucoup me plaindre. Et je vous dis donc, eh ben, à la prochaine fois pour la suite de ce DLC. Allez, ciao tout le monde.